On en parlait en début d'émission, le lancement du nanosatellite InspireSat 7 a une nouvelle fois été repoussé, conçu par le laboratoire Atmosphère et Observation Spatiale, le LATMOS, il a pour objectif d'observer le Soleil et la Terre et de nous donner des informations sur le climat et notamment sur les réchauffements climatiques, mais sa date de mise en orbite ne cesse d'être reportée. Pour en parler avec nous, Philippe Kekut, le vice-président de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, et Mustapha Mefta, le responsable du programme Petit Satellite. Alors, InspireSat 7 devait s'élancer ce matin aux alentours de 8h30. Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas élancé? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le satellite, il dépend de la fusée. Et lui, il est dans sa coiffe. Lui, il ne bouge pas. Donc, lui, il attend d'être éjecté. Mm-hmm. Donc, c'est la fusée elle-même qui a eu un problème, pas majeur, mais voilà, c'est alors l'habitude. Passé, alors on n'entend pas parler, mais ça existe toujours. Là, c'est un défaut technique qui est mineur. Comme j'ai expliqué en début de séance, bon, à un moment, une série de tests est mise en place pour vérifier que tout normalement doit bien se passer. Et là, une anomalie a été détectée. Alors, vous savez, parfois, nous avons des informations qui correspondent à des réponses précises. Et puis, à d'autres moments, il y a des choses qui peuvent être un peu plus confidentielles, liées à des activités de sécurité ou de défense nationale, notamment pour les Américains. Parce que la particularité de ce lancement, c'est que... Oui, il faut peut-être rappeler que, du coup, la fusée est lancée d'une base militaire exactement. En Californie. Donc, pour le précédent satellite, nous avons fait un lancement depuis la Floride. C'était le 24 janvier 2021 avec le lancement du VSQSAT. Mmh. Et pour ce tir, nous partons depuis une base militaire en Floride, donc c'est à Vandenberg. Et c'est environ à une centaine de kilomètres au nord de Los Angeles. Alors pour la petite histoire quand même, un autre satellite français a été lancé depuis cette base. Hein, un des premiers satellites français qui s'appelait FR1, il avait été lancé en 1965. Donc c'est une longue histoire entre la France et les États-Unis d'Amérique vis-à-vis notamment de ce genre de coopération dans la mise en orbite de satellites. Et donc là, a priori, il s'agirait d'un problème technique venant de SpaceX, de la fusée SpaceX. Oui, bien sûr, ça n'a rien à voir avec le satellite. Et d'ailleurs, ce qu'on peut rajouter... C'est QVSQSAT qui a été envoyé en 2021, hein, donc, et qui va fonctionner avec InspireSat 7, donc pour nous c'est important, a été repoussé aussi trois fois. Donc voilà, on n'est pas dans une actualité qui met en doute notre programme. Oui, c'est relativement habituel. Alors bon, ça met toujours de la tension, hein, parce que voilà, un lancement de satellite, c'est toujours... Voilà, un peu un pari au décollage, en la mise en orbite, qui sont des phases toujours critiques. Alors, est-ce que vous pouvez quand même un petit peu nous expliquer quelles sont les conditions nécessaires pour qu'un nanosatellite, un satellite, puisse bien décoller avec une fusée ou... Alors, pour nous, de notre côté, déjà, la première chose, c'est de développer ce satellite, hein, qu'il devienne performant et qu'il respecte certaines conditions. Bon, une des conditions, c'est la tenue aux vibrations. Hein, ensuite, la tenue à l'environnement en température. Et après, il y a une grosse partie associée à la législation. Donc, un des premiers paramètres pour nous, c'est le droit spatial. Hein, et pour nous, c'est un satellite donc français. Donc, on doit respecter la législation française. Dès lors, on se met en accord avec SpaceX pour répondre à une multitude de paramètres pour que le satellite puisse être mis en orbite. On le livre aux États-Unis. Et ensuite, on est en attente. Alors, quand même, une petite particularité dans le cas de SpaceX, c'est qu'il lance une multitude... Ils ont une multitude de lanceurs et depuis le début de l'année, ils ont déjà fait plus d'une quinzaine de lancements. Donc, des décalages sont possibles. Initialement, ce lancement, comme vous l'avez dit en début de séance, était prévu en janvier 2023. Donc, pour nous, c'est trois mois de décalage et c'est très difficile pour les équipes parce que bon, c'est beaucoup de stress, beaucoup de tension. Bon, et pour ma part, ce sont des échanges la nuit, vu que nous avons 9 heures de décalage. Et typiquement pour le lancement là, du mardi 12 avril, moi j'ai eu l'information à 4 heures du matin et puis c'est difficile de prévenir les personnes, donc j'ai attendu le matin pour annoncer la mauvaise nouvelle. Hein. Les gens étaient un peu déçus parce que tout le monde veut voir à un moment cet événement. Et puis bon, par ailleurs, c'est aussi très bien de le voir sur place parce que assister à un lancement en direct, c'est autre chose. Et alors pour la mission de ce satellite, est-ce que ça va changer quelque chose qu'il soit envoyé trois mois plus tard ou ça ne va rien changer au final? Je peux répondre et puis tu veux, on peut partager la réponse. Vas-y, on connaît tous les deux la réponse. Alors, bon, pour nous, plus vite c'est lancé, mieux c'est, parce que nous avons déjà un autre satellite qui est en orbite. Hein, et le satellite UVSQSAT a été développé initialement pour avoir une durée de vie d'une année.
Donc, comme vous l'avez vu, hein, ça fait plus de 2 ans que c'est en orbite. Donc, c'est quand même une réussite pour le laboratoire, pour la recherche française et aussi pour le territoire. Hein, parce que nous avons poussé un nombre d'entreprises du territoire pour pouvoir réaliser cet instrument. Le deuxième, à partir du moment où il est mis en orbite, il faut aussi que le premier reste vivant le plus longtemps possible. Et avec 2 satellites, on est en train de mettre en place une constellation. Puis je vais laisser mon collègue donner la suite parce que ça va nous intéresser au niveau des variables climatiques essentielles que l'on cherche à observer, notamment pour de la multimesure. Oui, parce que ce qu'il faut voir, c'est que scientifiquement, le fait qu'on ait comme ça des constellations, c'est on apporte beaucoup plus qu'avoir un seul satellite. Aujourd'hui, on a besoin de précision, on a besoin de résolution spatiale, temporelle. Et donc, un passage ne suffit pas. Il faut pouvoir avoir plusieurs satellites. Alors, bien sûr, celui-ci est envoyé dans une orbite différente, donc ils ne vont pas passer aux mêmes heures. Ils vont compléter ce que faisait le premier satellite. Et donc ça va être une première. C'est vraiment de montrer que plusieurs satellites, scientifiquement, apportent plus. Aujourd'hui, on est dans une course quand même sur les problèmes climatiques, et notamment de comprendre des cycles courts, parce que même si c'est le climat, en fait, finalement, les processus, ils sont courts, et régionales. Donc, il faut qu'on puisse paver l'ensemble du... Alors, ce qui est bien, c'est que le satellite qu'on envoie, il couvre la Terre entière, hein, il ne s'arrête pas, lui, il tourne. Mais il en faut plusieurs pour pouvoir avoir heure par heure ce qui va se passer. Quoi. Alors, qu'est-ce qu'il va apporter concrètement comme information pour... Je vais répondre. Alors, en termes d'information, plusieurs paramètres vont nous intéresser. Bon, déjà, un des paramètres qui est fondamental, c'est le déséquilibre énergétique de la Terre. Comment la planète accumule de l'énergie. Donc il faut savoir que la majeure partie de l'énergie est accumulée dans les océans. Donc c'est important de savoir quelle énergie nous accumulons et comment à un moment nous allons évoluer vers, par exemple, une meilleure connaissance de la température pour les 50 à 60 prochaines années. Donc l'intérêt des satellites, c'est de faire des mesures précises pour consolider des modèles climatiques. Et à partir du moment où les modèles climatiques sont mieux maîtrisés, on a une meilleure idée des températures à venir. Donc ça, c'est l'aspect modélisation. Et l'autre paramètre, ça va être l'atténuation. Quelles solutions nous allons pouvoir mettre en œuvre pour pouvoir répondre à ces problématiques? Donc ça, c'est un des pans du programme. Un autre, c'est par exemple d'observer la ionosphère. L'ionosphère, c'est une des couches de l'atmosphère. Donc mieux comprendre ce qu'il peut se produire en termes de perturbations. Donc pour cela, nous avons une coopération avec l'ONERA, hein, qui est un grand organisme, hein, un des plus grands organismes au niveau aéronautique et spatial en France, hein, qui va étudier ces phénomènes, et c'est important pour les perturbations. Au niveau des communications, hein, vous avez vu que nous sommes de plus en plus dans un monde hyper technologique. Alors ça a des gros avantages, mais aussi des fragilités, parce que nous sommes tributaires de ces technologies, et si, pour X raisons, hein, si par exemple nous avons une grosse tempête géomagnétique, et nous ne savons pas prévenir ce genre de problème, bon, on peut avoir une baisse ou une coupure de communication. Donc c'est aussi important au niveau local et régional d'avoir ces informations. Ce qu'on peut ajouter quand même, malgré tout, c'est que la ionosphère. La ionosphère, c'est cette zone où circulent justement les satellites. D'accord. Donc c'est en ça que c'est critique. Parce qu'effectivement, si vos satellites dysfonctionnent, tout le monde va s'en apercevoir. On n'aura plus de téléphone, on n'aura plus de télé, on n'aura plus grand-chose. Voilà, aujourd'hui, on est quand même très, très dépendant de la technologie. Et donc, avoir ces épisodes, ça permet d'anticiper, de couper ponctuellement certaines connexions et de préserver du coup les satellites. Et alors, dernière question, est-ce que l'actualité internationale, la géopolitique, a joué un rôle aussi dans le report du lancement de nos satellites? La réponse, c'est probable. Alors, nous sommes des chercheurs et des scientifiques. Vous impacte forcément, je pense notamment aux tensions entre Taïwan et la Chine. Parfois, nous avons des réponses, nous avons un devoir de réserve vis-à-vis de certaines informations. Évidemment que certains événements peuvent introduire des problématiques. On peut vous parler de brouillage ou de... Donc, oui, c'est possible. Ce qu'on peut dire, c'est que globalement, la géopolitique nous impacte de toute façon, puisque le spatial, c'est quand même une affaire très internationale. Et alors, même si nous, là, sur les projets dont on parle, ce sont des périodes relativement courtes, les autres projets, ce sont des projets, effectivement, à 10 ou 20 ans.
Donc, voilà, des projets avec la Russie, on en avait beaucoup. Et donc, voilà, il y a des impacts forcément quand... Ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué, voire pour l'instant très compliqué. Eh bien, merci beaucoup, Philippe Kekut et Mustapha Mefta, d'avoir accepté notre invitation. On suivra donc de près le lancement de l'InspireSat 7. Il devrait s'élancer ce vendredi 14 avril d'une base américaine militaire en Californie. On va donc croiser les doigts pour que tout se passe bien. Oui, tout le monde peut suivre sur YouTube. Et tout le monde pourra le suivre sur YouTube. Sur quelle chaîne YouTube, du coup, le Latmos ? Celle du Latmos, voilà. Celle du Latmos. Ouais.